Bonsoir et bienvenue sur Télé Saxon pour cette émission du début décembre. Une émission assez chargée, mais qui va vous paraître assez courte. Sans plus tarder, voici notre premier sujet. Il s'agit d'un reportage sur une exposition photo du groupe Photo Déclic, filmée par Patricia Vaudan le 11 novembre passé. Saxon et environ, de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à notre exposition actuelle. Au travers de cette exposition, nous souhaitons vous présenter notre travail et nous l'espérons vous faire partager la passion qui nous anime. Chacune des photos que vous allez découvrir reflète la personnalité, la créativité et la rigueur du photographe. Toutes ces images racontent une vie, un moment, un instant figé par son auteur. Je tiens à féliciter la vingtaine de membres qui, pour cette édition, sont venus présenter leurs œuvres. Ils ont, pour cela, dû relever le défi de réaliser une photographie sur le thème imposé sous la pluie. Vous pouvez découvrir toutes ces photos sur le thème sous la pluie. Chaque exposant dispose d'un espace réparti entre la salle Saint-Félix, où nous nous trouvons, et la salle Bouillac, au niveau inférieur, pour exposer leurs créations, libres selon leurs inspirations. En tant que président du Photo Club Déclic, je tiens enfin à remercier la commune de Saxon qui nous apporte son soutien année après année. Un dernier mot pour vous inviter au bar qui se trouve à l'étage, afin de partager un moment de convivialité, ainsi que le verre de l'amitié. Merci pour votre présence, excellente soirée à tous. Deuxième sujet de la soirée, il s'agit d'un reportage sur le Sentier des Citrouilles, réalisé par Christophe Caron. Sans autre pour le parcours, il est ouvert maintenant, vous suivez les courges illuminées, on en a perdu quelques-unes par rapport à la chaleur, donc quelques-unes ont pourri malheureusement, mais il y en aura certainement plus d'une centaine à découvrir. Bonne balade et revenez ici en pleine forme pour la suite de la soirée. Merci.
Nous continuons toujours sur le thème de l'Halloween, mais cette fois-ci nous allons regarder un reportage sur la soirée qui a été fêtée dans notre village le 31 octobre.
Pour le quatrième sujet de notre soirée, il s'agit du repas de la diversité qui a eu lieu le 18 novembre. Un reportage ramené par Patricia Vaudan. Bon visionnage. D'avoir offert l'apéro. Vous l'avez tous pris, je pense, avant de vous être assis. Donc, je me joins à la commission intégration déjà pour vous souhaiter la bienvenue, pour vous dire qu'on est vraiment super content d'avoir pu faire cette année le repas de la diversité. Donc, c'est vraiment sous le signe du partage. N'hésitez pas à aller discuter avec les gens que vous ne connaissez pas. On vous a même fait un petit quiz pour vous permettre peut-être d'aller voir certaines personnes, de les rencontrer, de discuter avec elles. Un merci spécial à Virginia, je pense que tout le monde la connaît. Je pense qu'on qui a mis sur pied tout ce repas. Merci aussi à Marcy particulier, à Franceline qui nous a préparé cette salle, qui a fait toute la décoration. Donc, je pense que les personnes qu'on doit vraiment remercier, c'est les cuisiniers et cuisinières des 7 pays qui vont vraiment... ce soir, grâce à eux, vos papilles vont être dans tous les sens. Donc je vais commencer au fond, c'est le Portugal. Mario, lui, il a cuisiné le riz libanais, res bilame. Ça va ? Ok. Merci Mario. L'Italie, on a Yursa qui nous a fait les lasagnes. Alors, Turquie, c'est raisin. Des ânes. Des ânes, pardon. Ensuite, nous avons le stand suisse avec Kouchnim, Jean-Christophe et Sabrina, les racleurs de la soirée. On continue avec l'Ukraine. On a Olena et Olena, on a deux Olena et Tatiana. Et ensuite, on a la Syrie avec Galia et Mona. Je vous souhaite un bon appétit à tous et on peut commencer par la première table. Merci. Comme à notre habitude, nous allons vous diffuser un extrait du concert de l'espace Consonance qui est ramené, comme très souvent, par notre cher ami Steve Gio. Une très bonne écoute à vous de cet extrait du concert. Ich träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei. Und als die Hähne krähten, da ward mein Auge wach, da war es kalt und finster, es rieh die Raben vom Dach. Da war es kalt und finster, es rieh die Raben vom Bach. Da
lacht wohl über den Träumer der Blumen im Winter sah, der Blumen im Winter sah. Ich träumte von Lieb und Liebe, von einer schönen Maid, von Herzen und von Küssen, von Wonne und Seligkeit, von Wonne und Seligkeit. Und als die Hähne krähten, da ward mein Herz erwacht, nun sitz ich hin alleine und denk in dem Traume nach. Nun sitz ich hier alleine und denk in dem Traume. C'est devenu pour nous une tradition, comme pour certaines personnes ou peut-être certains d'entre vous, d'aller au marché de Noël. Voici notre séquence rétro. Nous nous retrouvons justement en 2003 au marché de Noël de Saxon. Bon visionnage à vous. Sera versé à l'association Chipaou, qui est une association qu'on retrouve à
actuellement à Saxon. Par rapport cet argent avait déjà été versé l'année passée à une association locale, donc cette année c'est l'association Chebaou. Donc pour les futurs marchés, sachez que chaque année ça se reproduira la même chose. Le marché de Noël, les dates sont signalées suffisamment à l'avance. Télé Saxon nous aide aussi dans cette démarche pour l'annoncer. Place de stands pour qu'on puisse satisfaire au mieux à leur demande, soit des stands intérieurs, soit des stands extérieurs. Pour le marché de Noël de l'année prochaine, effectivement, il y a encore une année qui doit passer d'ici là, donc personne ne sera averti suffisamment à l'avance par de la publicité. Comme vous pouvez le voir, le plateau a été légèrement envahi entre-temps. Bref, continuons sans plus, c'est pour moi déjà l'heure de vous dire au revoir pour cette émission. Je voulais joindre tous nos meilleurs vœux pour cette fin d'année. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, comme toute l'équipe et nos amis présents ici sur le plateau. De très belles fins d'année à vous tous, de très belles fêtes de Noël. Une belle année 2023 pour vous. Voici notre dernier reportage de l'année 2022. Il s'agit de Christmas Parasite, tourné dans le cadre d'un projet théâtral à l'Alambic de Martigny. C'est justement un projet de l'école de théâtre de Martigny. Bon visionnage, belle fin d'année, belle fête de Noël. Il a apprenti. Après Vanille Black, voici Vanille Greg. Bonjour Père Noël. Salut. Bonjour. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place... C'est incroyable, on en fait, ça se fait pas, je suis désolée. Oui, ça compte, ça fait des années. Rien de théâtre maintenant.
quoi un parasite de la société? C'est comme un pou. Pourquoi papa dit que t'es un pou? Parce qu'il aime pas mes choix professionnels. Parce que t'as des choix professionnels. Oui. Et papa, il aime pas le théâtre. Mais moi, j'ai bien aimé ton Père Noël. Merci. Tu joues bien. Merci, ma puce. Reste avec moi. Non, mais j'ai un cadeau pour toi. Tiens. Comme ça, ça t'empêchera d'entendre leurs conneries. Allez, rentre. Oui, Sybille, j'arrive. J'arrive, je pars maintenant. À toutes. Quoi? Attends, non, deux secondes, je t'entends pas là, je t'entends pas. Hé, vous pouvez mettre moins fort? Joyeux Noël, mademoiselle. Tu m'entends? Jonathan, il est déjà arrivé. Oh, il m'a vu démaquiller, c'est tellement la honte. À part ça, ça fait 6 mois que je l'ai pas vu, j'ai trop hâte. Il est enfin revenu de Berlin, il faut que je sois en bombe. Tu sais quoi? Il m'a offert une boule à neige, tu crois que ça veut dire un truc ou pas? Bon, du coup, qu'est-ce que t'en penses niveau make-up? Plutôt pin-up branché, pré-chute du mur, eyeliner ou smokey eyes, femme mystérieuse, post-chute du mur. Hein? Meuf, je te vois. Sybille, hein, j'arrive, ok? J'arrive, respire un coup et sors de cette putain de salle de bain. Franchement. De toute façon, mais qui veut coucher avec un mec qui offre une boule à neige? Carte d'identité, s'il vous plaît. Non, je l'ai pas, désolé. Je peux pas vous la vendre. Non, mais vous déconnez, là. Marc, tu passes avec la voiture, s'il te plaît. J'ai besoin d'une carte d'identité. Mais je vous vois tous les jours. C'est bon, c'est quoi votre problème? C'est mon job étudiant. Si je vous vends de l'alcool et que vous avez pas l'âge, je me fais virer. Vous avez tous décidé de me faire chier le soir de Noël. Marc, tu me passes les clés. Ah oui, tu m'écoutes, là? Mais non, mais apparemment j'ai affaire à un jeune coincé, tu vois, qui veut pas me vendre de l'alcool. Quoi? Bon, bouge-toi. Y en a qui bossent. Y a la voiture qui est mal garée. T'as pas une carte d'identité? Non, j'ai pas une carte d'identité. Pourquoi? Mais ça fonctionne pas comme ça, hein? Non, mais s'il te plaît. Mais Marc, tu parles à qui? S'il vous plaît. C'est Noël. J'ai juste besoin d'une soirée de Noël entre amis. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Et ça, c'est bon, j'ai l'âge. Joyeux Noël. C'est ça, ouais. Salut tout le monde, c'est Vicky la Street et aujourd'hui on se retrouve pour un petit live pour la fête de Noël. Hé, Chacha, salut, comment ça va? Hé, t'as fait quoi tes sourcils? C'est dégueulasse. Ta gueule, Vicky. Hé, j'en connais une qui va pas se faire de soucis, hé. Soucis, hé, sourcils. T'as quoi? Hé, bienvenue dans l'antre de l'État Noël. L'État Noël, c'est tout ce que t'as trouvé. C'est quoi ces sourcils? C'est ça. Hé, joyeux Noël. Hé, joyeux Noël. Salut les loulous, comment ça va? Bien, et toi? Santé. Allez, rentrez dans l'antre, camarade. Je vais chercher du cake. Hé, surtout, hein, joyeux Noël. Hé, Jonathan, de la street, là, ça fait un moment. Ouais, yes, salut. Incroyable, vous êtes 200 sur ce club. Incroyable, 200, rien foutre le soir de Noël. Je vous aime, joyeux Noël. Bon, bah la prochaine fois, sois pas en retard, s'il te plaît. Ouais, bah c'était plus compliqué que ça. Non, mais j'avais besoin de toi. Enfin, comment j'aurais pu être prête à temps? Et puis, ouais, enfin, je sais pas, t'es mon conseil, donc bah, j'ai besoin de toi, c'est oui, tout. Oui, bah je suis là maintenant. Oui, t'es là. Avec des sourcils dégueulasses par contre, hein. T'as vraiment l'air... Non mais t'as l'air con avec ça, je suis désolée, hein. Oui, ben merci. De rien. Mais du coup, j'ai tout retravaillé mon make-up, t'as vu ou pas? C'est joli, non? C'est beaucoup. Oui, non mais ça fait raccord avec le t-shirt de Jonathan. Il y a des arcs-en-ciel dessus, c'est trop chou. Mais tu sais pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Sybille, ce soir, si je bois trop, je dors chez toi. Et donc, je vais le saouler. Le consentement, génial. Quoi? Bravo. T'es jalouse? Non, je suis pas jalouse, c'est un tocard, Jonathan. Mais c'est pas un tocard. C'est toi le tocard. De toute façon, il y a un truc ouf entre nous, ça se voit. Il y a trop de passion quand il me regarde. C'est tellement beau. Ça me dégoûte.
Bon, meuf, par contre, tu vas pas passer la soirée avec tes sourcils. Non, mais laisse-moi enlever. Waouh. Mais où va le blanc quand fond la neige? Shakespeare. Moi, j'inspire. Faites tourner. Oh là 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 là. Chante les rois du monde. Les rois du monde vivent au sommet. Ils ont la plus belle vue. Ils ne savent pas ce qu'on pense de l'ombre. Ils ne savent pas que je vais faire des cocktails. Allez, on continue. Ça oriente un peu là-bas. Et du coup, Sibyl, t'aurais pas de la menthe parce que... Gros malaise. Putain, mais tu fais quoi? J'ai rien fait. Pourquoi t'es comme ça? Comme quoi? Méchante. T'es méchante. Moi, je suis méchante? Ouais. T'as parlé de Jonathan toute la soirée. Ça te tuerait de demander comment moi je vais? Putain. Mais c'est dégueulasse de me dire ça. T'es égoïste. L'amour, ça te rend égoïste. Hé, hey, ça va les filles? C'était qu'un petit baiser, vous allez pas en faire toute une histoire non plus. Mais ta gueule! Ok, tout à l'heure. Je sais pas ce que t'as Charlie ce soir, mais franchement, tu me fais peur. Bonne soirée. Bah c'est ça, ouais. Attrape! Joyeux Noël! Putain, mais vous foutez de ma gueule, sérieux? Allez, viens, ta race. Et oublie pas ta bûche. Comment il parle de plus con? Allez vous faire foutre! Père Noël, tu me donnes un coup de main, s'il te plaît? Ah, c'est toi? Bon, allez, viens. Viens m'aider. Petit geste de temps en temps, ça fait pas de mal. Un Père Noël. Bon, allez, prends-moi. Je suis blasé. Attends, il y a mon pied. Vas-y, hésite pas. Oh putain, fais chier. Je suis désolée, je suis vraiment merde. T'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. Allez, c'est reparti. La même chose, mais un peu moins fort. Voilà. Allez, dépêche-toi, on nous attend. Comment ça on nous attend? Allez, viens! Mais non, mais je vais pas te suivre, c'est mort, je te connais pas. Laisse tomber. Salut Madeleine. Salut Marc. Tu
Tu sais qu'il y a un vestiaire à l'entrée. Oui, mais je préfère la garder sur nous. Merci. Bon app. Merci. Thierry ? Et voilà. Et merci. Bon app. Merci. Salut Marc. Bernier. Alors, tu nous envoies à la même cabine ? Tu prends ta soupe et tu la laisses tranquille. Oh, ça va, j'ai compris, vous voulez rester discret. Mais sache que mon silence est d'or. D'ailleurs, en parlant d'or, il n'y a que les mendiants qui puissent compter leur richesse. C'est pas de moi, c'est le... un bonhomme, j'ai oublié son nom, mais il est super à ce qu'il paraît. Bonne à Bernie. Merci, Marc. Salut, Christophe. Salut, Marc. Et bonne app. Merci. Hé, je te sers un verre ? Ouais, ok. J'ai coca, jus de raisin, jus de pomme. Un jus de pomme. Merci. Désolée pour avant. Non, t'inquiète, c'est moi qui ai merdé. Santé. Alors, mademoiselle, tu viens danser? That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball.